Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Ma mère est sourde. Il faut un appareil pour qu'il écoute un peu. Quand les voitures klaxonnent, il n'écoute pas. T'es obligé de le frapper avant qu'il se réveille. Say, man of God, help my mother. She's deaf. She cannot hear anything. Even when the cars are trying to klaxon her on the street, she can't hear the cars. This is the woman. She came last Sunday with the problem of deafness in both ears. And we can see the man of God with the shower praying for her. She came all the way from France, suffering from this problem for the past 3 years. And we can see at that she was having hearing aids. Joshua, Mrs. Bertha is instantly healed. She just received the prayer. The curse of deafness in her life. And now the earrings are being removed. Rising to her feet, the hearing aids are removed from her ears. And after 3 years, she can suddenly hear everything around her. Thank you, Jesus Christ. Mama, how are you? I'm fine. What is your name? My name is Bertha. Put your hands together for Jesus Christ. Thank you, thank you, God. Thank you. Thank you. I can hear. I can hear. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm here. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ. She came all the way from France with the problem of deafness. And after the prayer of the man of God, she's here to share a wonderful testimony. So let's listen to her. She's going to speak in French and we'll be translating into English for the benefit of our viewers and the members of the congregation. So please, madam, tell us your name, where you are coming from, and what was the problem that brought you to the synagogue Church of Four Nations. Donc, madame, donnez votre nom, d'où vous venez, quel était le problème qui vous a emmené à la synagogue Église de toutes les nations. Emmanuel, praise the Lord. Je remercie à Dieu. Je viens ici avec le problème de rien. Cette maladie m'a affecté 3 ans. She said that her name is Adi Bertha. She's coming from France. And can you tell us what was the problem that brought you to the Synagogue Church of Four Nations? Quel était le problème qui vous a emmené à la synagogue Église de toutes les nations? Cette maladie m'a affecté avec. J'ai un problème d'oreille. So, je venais ici. Grâce à Dieu, man of God, ma délivrance à la souffrance. So she said that she was having a hearing problem. Can you explain to me what was exactly the hearing problem you were having? Quel était exactement le problème que vous aviez? Je ne m'écoutais pas bien. J'étais très nerveuse avec tout le monde. J'ai un problème avec tout le monde, toutes les familles, tous les enfants, tous les petits-enfants. Grâce à Dieu, j'écoute maintenant bien. J'ai reçu mon guérison totale. J'ai fait tout. Et j'ai mal au dos, mon dos aussi. J'ai très bien. Merci à Dieu, merci à Man of God, TV Joshua. Je vous remercie beaucoup. Tu m'as guéri, guéri mon famille aussi. Merci, merci. So she was having the problem of deafness for many years, and this has been affecting her family, people around her, and she was having very bad problem because of this problem. But she's thanking God now, coming to the Synagogue Church of Four Nations. The man of God, Prophet TV, should have prayed for her, and she's now healed and in good health in Jesus' name. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ. You said you're having the problem of deafness, ma'am. Can you explain to us how this problem has been affecting you at your working place, in the streets, with your family? How were you able to communicate with people around you? Pouvez-vous nous expliquer comment ce problème de surdité a affecté votre vie au travail, dans la rue, avec votre famille? Merci, Zedji. Thank you, Jesus. Pouvez-vous expliquer comment le problème a affecté ta vie? Il m'a affecté ma vie. Cette maladie m'a affecté ma vie. J'ai problème avec tout le monde, à la rue, à la police, à l'avocat, tout le monde. Mais je dis à merci mon Dieu et ma guérie totale. Je suis. Et j'écoute bien maintenant. Je fais tout maintenant. Je marche bien. Je parle bien. Tout le monde parle. J'écoute bien. Merci, merci Seigneur. Maintenant j'ai enlevé l'appareil là. Cet appareil. So she said that this problem has really affected
affected her daily life. She was unable to communicate with members of the family. Even as working places was very difficult. She said even in the street it was also difficult. She always had problems to find the house, even problem with the police because of this problem. But she now said that she's thanking God for what God has done for her. After 3 years having this problem of deafness, she now can hear properly. She now can hear very well, and everything is going fine for her as of right now after the prayer of the man of God, Prophet Chibi Joshua. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ. So right now we know that Mama is very emotional at the moment because she's so happy that she has been healed. Let us listen to the daughter to see what the daughter can say about how the problem has been affecting her mom. Donc maintenant, écoutez la fille qui est à côté d'elle. Nous savons que maman est très émotionnelle en ce moment, ne peut pas expliquer vraiment son problème. Nous écoutons maintenant sa fille qui va nous expliquer exactement quel était le problème que maman avait. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous votre nom et quel était le problème de votre mère. Please tell us your name and what was the problem that your mother had. Je m'appelle Amand Pascaline et c'est ma mère, elle s'appelle Hadji Beta. Elle a problème d'audité, elle n'écoutait pas bien. Il lui faut un appareil pour pouvoir bien entendre. Elle a souvent des problèmes avec tout le monde. Quand elle marche, la voiture klaxonne, elle n'écoute pas. Il faudra que la police intervienne. Il fait problème avec la police. C'est avec le temps que les gens se rendent compte qu'elle n'écoute pas bien. Quand elle voit deux personnes en train de converser, rigoler, il faut qu'elle fasse problème avec eux parce qu'elle s'est dit, ils sont en train de parler de moi. Pourquoi ils parlent de moi? Et à la maison, c'est difficile parce que quand elle s'exprime, elle pense que les gens ne l'écoutent pas, donc elle crie très fort. Des fois, je lui dis, mais maman, tu vas me faire une crise cardiaque, tu ne peux pas parler doucement. Elle me dit, mais je n'écoute pas. Je lui dis, mais vas-y doucement, on t'écoute. Donc, un jour, elle m'a dit qu'elle était partie voir une amie et qu'elle a suivi Emmanuel TV. Et quand il a dit que l'esprit de famille, que ceux qui ont problème d'esprit de famille dérange, elle est tombée, elle a commencé à vomir. Et d'un seul coup, elle s'est relevée et c'est là où elle a pris la décision. Mais il faut que je vienne en Nigeria, il faut que aussi je trouve la guérison totale. Parce que j'ai la foi, les gens qui viennent, ils sont guéris, moi aussi je vais venir. Et c'est comme ça, nous sommes venus et grâce à Dieu, on a eu la guérison totale. Donc, je peux seulement dire à tout le monde qu'il faut avoir la foi et c'est grâce à cette foi que l'homme est tout temps libéré. So the daughter is really explaining the problem that Mama was having. She was really having a problem of deafness. She said that it was causing a lot of problem in the family. That even on the streets, when Mama was walking, she could not hear even the car to klaxon, the klaxon of the car. When the car was coming, she could not hear the car that put many times police on the scene and a lot of things that was happening to her on the street because she could not hear. And she said that many times even in the house to communicate with the family, with the children, Mama was having difficulties because she always thinking that they cannot hear her, she will be shouting because she cannot hear people back to her, so she will be shouting and the teacher will be telling her that, Mama, stop shouting, we can hear you. And she's always around people thinking that nobody can hear her because she cannot hear anybody. That's why she used to have a lot of problems even in the working place with people around her because it was difficult for her to communicate. But for the glory of God, she said that Mama went to one of her sisters one day and she was opportune to see Mana TV for the first time. And after praying with Mana TV, even she reacted and started vomiting. And she knew that this is where she will have healing. That's why she came down to the Synagogue Church of Four Nations. And coming last Sunday, the man of God, Prophet Bishop, prayed for her. After 3 years of deafness, Mama can now heal properly, communicate properly for the glory of God. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ. Because nothing is impossible to his power. So right now that Mama is healed, we want to hear Mama's advice for people that have been maybe suffering from the same problem, what to do and how to go about it. So Mama, savant que vous avez reçu votre guérison, quel est votre conseil pour les autres peut-être qui souffrent du même problème? Je conseille tout le monde qui est malade comme moi. Si tu as une situation difficile, il faut venir à la maison de Dieu pour prendre la guérison totale. Merci Seigneur. Merci à Emmanuel TV partenaire et mais tout le monde qui travaille ici, je vous remercie avec vos gentillesses aussi. Merci. Merci, Monsieur Justin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. She's advising people that people are suffering with the same problem and even other problems to put their trust in God and come to the house of God to receive your solution. So thanking God for her healing today, and she believes that anybody that may have the same problem or another problem, God is able and more than able to also solve their problem and heal them in Jesus' name. So Mama, we thank you for giving us this wonderful testimony. We understand that French is not your mother language, being a Ghanaian living in France, but Mama tried to speak the French language, and we thank God for her life today. We
thank God for what God has done, and we believe that God Almighty will give her the grace to maintain her healing in Jesus' name. Nous croyons que Dieu va donner la grâce de maintenir sa guérison dans le nom de Jésus Christ. Acabamos de escuchar este maravilloso testimonio de esta mujer que nos cuenta que ella estuvo sufriendo de un problema de sordera por más de 3 años, pero ella tuvo muchas dificultades porque no podía comunicarse con las demás personas, no podía realizar sus actividades, pero ella nos cuenta que el domingo pasado tuvo la oportunidad de recibir oración de parte del profeta T.B. Joshua, estuvo en la línea de oración e inmediatamente después de ese toque redentor y sanador de Jesucristo a través de su siervo ungido, el profeta T.B. Joshua, ella fue completamente sana. Ella nos estaba mostrando estos dispositivos que tenía que utilizar todo el tiempo para poder escuchar un poco de lo que las personas decían, pero hoy, para la gloria de Dios, ella está completamente sana y no está utilizando esos dispositivos. Damos la gloria a Dios. Continuamos. So, Mama, one more thing before you go. You say you're having the problem of deafness and we're having hearing aids, and you also came with a problem of a back problem, wearing lumbar corset. What are you going to do with those things now that you have been healed? Vous êtes venu ici avec problème de, avec un appareil auditif, aussi un corset lombaire avec le problème du dos. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces choses maintenant que vous êtes guéri? J'ai guéri totalement. Je marche, je cours, je fais tout. Merci Seigneur. J'écoute bien, je fais tout. Et la ceinture aussi, je ne porte pas de ceinture. Thank you, je jette tout ça là aussi. Bye bye, j'ai guéri tout ça. Maman, let's clap our hands for Jesus. Mama said that she's now fine. She's now not having any more back problem, back pain. She can now bend down. She can now walk properly. She's now hearing very well. She doesn't need the lumbar because she doesn't need the hearing aid. She's giving it out. She doesn't want it anymore. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ. También vemos que aparte de este problema de sordera, ella tenía un problema de espondilosis lumbar, pero vemos que también ha recibido sanidad y ella ha botado este collar, este corsé lumbar que ella tenía que utilizar para la gloria de Dios.